cette surprenante raison de mâcher du chewing-gum. Alors, l'usage du chewing-gum a fait l'objet de nombreuses études scientifiques. Oui, le chewing-gum. Elles ont montré que la mastication du chewing-gum facilite la perte de poids pour plusieurs raisons. Je vous explique. Première raison, pour une raison simple, élémentaire et basique, mais puissante. Quand la bouche est occupée par un chewing-gum, elle ne peut pas accueillir d'autres aliments. La deuxième raison, elle est plus profonde. C'est que la mastication donne naissance à des sensations de bouche, de goût, de contact avec la langue, la paroi des joues, la déglutition, l'odeur même de l'aliment. Ces sensations sont captées dans le cerveau par un petit centre majeur de chez majeur qui s'appelle l'hypothalamus. Vous avez dû entendre parler, mais c'est pas grave. Ce centre gère la plus grande partie des opérations de la vie. Vous imaginez? Le sexe, le plaisir, l'amour, la vigilance, l'agression, les émotions. C'est lui qui aussi gère la faim et la satiété. Alors, ces sensations s'accumulent sur une jauge qui monte et qui monte et qui monte jusqu'au niveau où elle déclenche la satiété. La troisième raison est que les chewing-gums d'aujourd'hui apportent de la saveur sucrée, sans sucre ni calories, et aident, au même titre que le Coca Light, tel que je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, aident à supporter la suppression du sucre. Quatrième raison, pour les personnes qui ont l'habitude de tourner autour des placards après la fin du dîner, mâcher du chewing-gum atténue cette tentation jusqu'au brossage des dents. Et alors là, le brossage des dents, c'est radical, ça met fin aux sensations de bouche. Par la même occasion, alors ça, on est dans la cinquième raison, la mastication des chewing-gums sans sucre protège les dents de la carie et les dentistes le recommandent et privilégient les gommes au xylitol. Sixième raison, les neurologues ont constaté statistiquement, sans en comprendre la raison, que l'usage du chewing-gum améliorait la mémoire. Alors là, hein, une théorie a été avancée qui l'expliquerait. Mâcher et contracter les muscles de la mastication augmenterait le flux sanguin vers le cerveau. Enfin et dernièrement, septième raison, les statistiques montrent que les consommateurs de chewing-gum sont moins sensibles que les autres au stress et même à l'anxiété. Alors, youpi pour les chewing-gums.